Ben, c'est ton cadre. T'es content. Mesdames, messieurs, chers amis, bien quel plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui en ce dimanche à Amiens. Donc avec le fraîchement désigné député bourgmestre Patrick Lecerf et au nom du groupe Intérêts Communaux, je vous souhaite la bienvenue ici au Hall Omnisports. Nous allons passer, je crois, un très bon moment, ça va être très agréable. Donc, je connais pas mal de personnes parmi vous, je ne connais pas tout le monde, il y a pas mal de gens de la commune que je vais découvrir au fur et à mesure. Il y a, et c'est un grand plaisir, de nombreux amis qui sont venus des communes voisines, parfois de loin. Et si vous regardez autour de vous, vous verrez de nombreux mandataires, des parlementaires, des députés, des bourgmestres. Donc c'est vraiment une grande satisfaction de vous avoir tous ici aujourd'hui. Et bien, au nom des intérêts communaux, je vous remercie tous, chacun que vous êtes ici. Alors, petit remerciement au passage avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Ronnie et toute son équipe, donc toute l'intendance de l'après-midi va être prise en charge par la belle équipe qui est derrière le comptoir. Il y aura une petite restauration à partir d'une certaine heure. Je veux quand même remercier Christian et l'équipe de l'Office du Tourisme qui, dans un moment de panique vendredi, quand on a cru que la cafétéria serait beaucoup trop petite, a monté le chapiteau à l'extérieur. Et puis aussi remercier toutes les personnes qui ont activement programmé bien l'activité ce matin, puisque pour ma part, j'ai un peu carotté, puisque j'étais encore à Paris ce matin à 8h. Oh. Ouais, vaut mieux l'avouer, non? Alors, c'est un secret pour personne, à Amiens, on a quand même le don de faire la fête pour tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on a une très bonne raison de faire la fête puisqu'on a cette désignation. Toutefois, on a également d'autres raisons de célébrer. Et je voudrais très brièvement mettre en avant tout le travail du groupe Intérêts Communaux. Donc je vais inviter tous nos mandataires de la liste IC à venir se rapprocher de nous. Donc on fait un travail qui est important et c'est sûr que vous voir tous réunis ici, tous nos supporters, nos électeurs, mais ici aussi tous les citoyens, eh bien ça nous fait chaud au cœur. Alors, je voudrais passer dans l'ordre d'abord, si on commence par le CPS, notre président Michel Flamax, nos conseillers Frédéric Lecarte, Sophie Darville, Christian Lejeune, Aline Poilin et Pierre Sylvestre, des personnes qui font un boulot compliqué dans le cadre du CPS. Et ils le font de manière très efficace au service de tous. Je les invite vraiment à venir près de moi, comme ça, ça permettra à tout le monde de refixer les visages. S'occuper des bâtiments communaux non scolaires, des logements et de la santé et du bien-être. Tout le monde doit trop tôt, mais je vous propose de l'applaudir bien fort. Je l'accueille à côté de moi. Toujours au collège, aux travaux, il y a un service des travaux pour améliorer l'efficacité de nos services. Là, je suis convaincu que dans les prochains mois, on verra l'impact positif de ce qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, bon travail, Pompon, on continue comme ça. Qui sont très importantes et je les remercie. Et notamment, un petit clin d'œil particulier à trois personnes qui nous ont quand même permis aujourd'hui d'être où on en est. Je pense à Marcel Paulet, à Christian Sylvestre, à Lucie Haussmann. Et bien sûr, bien d'autres qui les ont précédés avant eux sur notre... Les membres du collège, bien, tout est fait dans ce sens. Cette équipe des intérêts communaux, elle est là aujourd'hui grâce à vous. Elle est là surtout pour vous. Donc n'hésitez pas à la solliciter, n'hésitez pas à travers les conseillers, le collège, le CPS, à faire remonter toutes vos questions, vos remarques, vos inquiétudes. Nous sommes là à votre écoute et nous resterons disponibles. Je suis très heureux. Je voudrais vous remercier parce que finalement, si je suis là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a 2 ans, qui m'ont fait confiance. Et donc, je vous remercie tous autant que vous êtes ici pour cela. Je voudrais remercier tout particulièrement des personnes de mon entourage, mon épouse, qui est très courageuse pour le moment, mes 2 enfants, dont une va me faire tomber de la chaise. Papa que j'ai vu quelque part là-bas, supporter inconditionnel. Puis tous les amis bien, ou avec les activités que l'on a aujourd'hui, on ne les voit pas toujours assez souvent. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui se demandent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec le nouveau mailleur aujourd'hui? J'ai entendu le commentaire chez certains anciens dire,
il est bien jeune, nos nouveaux mailleurs, qui va se faire pour nous autres. Quelle question. Eh bien, sans surprise, je vous dirais, on va travailler dans la continuité du programme des intérêts communaux tel qu'on l'a défendu en 2012. Donc, nous allons mobiliser les équipes pour continuer le programme. Nous avons déjà fait beaucoup de travail jusqu'à présent. On va essayer d'accélérer les projets qui peuvent être accélérés et on continuera à développer les projets tels qu'ils sont dans notre accord de majorité. Or, vous savez, c'est une période excitante pour moi, c'est une période excitante pour devenir bourgmestre. C'est aussi une saison un peu compliquée et pleine de défis. Or, parmi ces défis, bien, il faut noter aujourd'hui qu'on est confronté à des budgets sans cesse comprimés, avec des recettes qui diminuent et des besoins, donc des dépenses qui augmentent sans cesse. On va avoir au 1er janvier la pression sur le CPS. 43, débat très important. Donc c'est bien entendu avec toute l'équipe autour de moi des intérêts communaux que nous allons continuer. C'est sûr que j'ai voulu garder le meilleur pour la fin. En effet, on n'a pas oublié que si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer l'action, la promotion d'un homme qui a investi plus de 20 ans de son expérience communale au service de la Moire. Il a toujours mis son énergie, son enthousiasme et son abnégation au service de nos citoyens. Il a fait avancer et aboutir des projets là où certains n'auraient même pas imaginé qu'on pouvait les amener. Aujourd'hui, Patrick a décidé de relever un défi à l'échelon supérieur, au niveau régional. Il va pouvoir amener toute son expertise des pouvoirs locaux et défendre nos intérêts communaux en haut lieu. Pour Amoire, c'est une opportunité sans précédent. Premier député régional de notre commune, je suis convaincu que Patrick sera un relais très important dans l'aboutissement de nos projets. Je sais aujourd'hui que Patrick ne délaisse pas la commune, il la rend plus forte. La combinaison de la liste intérêts communaux, du collège et l'appui d'un député régional, ça ne peut être que positif pour notre commune. Donc forcément, je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles missions. Je vous invite à l'applaudir très très fort et lui faire un triomphe avant de lui passer la parole. Il a la parole facile, il va falloir qu'on lui apprenne un peu à couper dans les discours. Hein. Vous savez que ma devise c'est que les plus courts sont les meilleurs. Je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur de votre présence aussi massive ce matin. Dans ce lieu où d'habitude nous fêtons nos plus grandes victoires électorales. Et bien alors là encore aujourd'hui c'est pire que jamais. On n'a pas envisagé de le faire dans le grand hall, mais on aurait pu. Je me permets de vous rappeler, Michel l'a dit mais ça me tient beaucoup à cœur, que notre groupe des intérêts communaux qui vous accueille aujourd'hui est composé de femmes et d'hommes qui s'intéressent à la gestion et au développement de notre commune en toute indépendance des partis politiques. Et ceci même si chacun de nos membres a le droit de militer dans un parti démocratique. Et c'est mon cas. C'est mon cas depuis 11 ans, lorsque j'ai rejoint l'EMR, aux côtés de Pierre Azette, et poussé par mon vieil ami et mentor, Achille Fagnoul, pour qui j'ai une pensée aujourd'hui, il y a 10 ans qu'il nous a quittés. On peut l'applaudir. Je voudrais remercier tous mes amis des intérêts communaux qui m'ont toujours soutenu dans ma démarche. Et qui, même s'il nourrissait certaines craintes de me voir les lâcher, savait que pour notre commune, Michel l'a rappelé, et pour notre région, il serait toujours intéressant d'avoir un relais à la région wallonne. D'autant plus que notre voisine et amie de Houphouët, Caroline Cassard, que j'ai vue, on ne saurait pas la voir, évidemment, elle était un peu au-dessus de tout le monde, mais salut Caroline. Elle avait décidé de partir, de naviguer vers le fédéral. La suite, vous la connaissez. Hervé Jamard devient ministre du budget au fédéral et m'offre un siège de député wallon. Je vous avoue que je ne suis pas prêt d'oublier ce vendredi 10 octobre. Le matin, j'assistais à une formation de mathématiques à Warem, et à partir de 10h, des SMS commençaient à fuser de partout pour me dire que mon ami Hervé tenait de nouveau la corde. Et après avoir enfilé un sandwich, je revenais vers Stray, à la zone de police, pour une réunion avec mes collègues bourgmestres et le gouverneur. Et à peine arrivé, mon GSM sonne et sur mon écran, je vois Jamard Hervé. Comme il m'avait promis de m'appeler immédiatement après son épouse, j'ai tout de suite compris et mon sang n'a fait qu'un tour.
Et la réunion qui s'en est suivie n'a été qu'échange de SMS et navigation sur le net à la recherche d'une confirmation. Le gouverneur interrompant même lui-même la réunion pour annoncer la bonne nouvelle officiellement. C'est donc une nouvelle aventure qui commence pour moi. Et je dois vous avouer que si je suis évidemment très heureux et très fier, je suis aussi assez impressionné et quelque peu perdu, pour ne pas dire paumé, face à ce nouveau défi. De nouvelles têtes, de nouveaux bâtiments, de nombreux kilomètres vers Namur et Bruxelles, des tonnes de mails et de papiers, de formalités. Ça me change évidemment de mon train de prof de maths à Remouchamp et de Pythagore étalé. Mais rassurez-vous, c'est comme un vieux diesel, une fois qu'il va être lancé, il fera difficile de l'arrêter. Je ne peux pas passer sous silence le plaisir que j'ai eu durant cette campagne électorale. Partout dans l'arrondissement, l'arrondissement a été très chaleureux. Et l'équipe avec laquelle nous avons remporté cette élection a été formidable et très solidaire. Et puis, il y a ma garde rapprochée, les quatre mousquetaires qui ont assuré l'intendance pendant toute cette campagne. Un grand merci à Serge, à Henri, qui est quelque part là derrière, à Jean-Pierre et à Eddy de Ferrières. Je dois aussi vous dire à tous un tout grand merci. Vous êtes venus ce matin de Hamoir, bien entendu, mais aussi de Ferrières, où j'ai trouvé de nombreux soutiens et récolté de bonnes voix pour notre liste. Je vois des amis de Comblain-aux-Ponts, les Wailles, de tout le Condreau. Mes vieux amis Marc Guilaine et Philippe Dubois sont évidemment là, fidèles au poste. Vous êtes venus de partout dans le Condreau, bien sûr, mais aussi de l'autre bout de l'arrondissement. Je vois des gens de Brève, Verlaine, Crisney, Burdine, Anu. Ils ne sont pas encore tous là, mais ils ont promis de passer avant la fin de l'apéro. Je salue également la présence de mes amis, et ça me touche beaucoup, des Thias, de la SPI, d'Orez, de la CIL, de TSA, de la police, du personnel communal, du personnel des écoles, de la presse régionale et des entreprises de la région avec qui on travaille depuis longtemps, main dans la main et en pleine confiance. Votre soutien et vos encouragements, depuis un mois sont impressionnants. Je dois vous avouer que parfois, ça me donne la chair de poule. Depuis que je me suis engagé en politique, j'ai toujours cultivé la bonne entente, le respect et la convivialité. Et j'ai vraiment le sentiment que tous vos encouragements si gentils sont votre façon de me dire « Merci, continue ainsi ». Je voudrais également et tout particulièrement remercier la présence de M. Yves Rancelot, qui est ici à mes pieds, M. Rancelot. On peut l'applaudir. Du haut de ses 90 ans, bien fait, M. Rancelot, on ne donnera pas les détails, il a vraiment tenu à être des nôtres et ça me fait un grand plaisir. Et ça vous permet de voir devant vous trois générations de bourgmestres des intérêts communaux de notre belle commune. Merci évidemment à tous les mandataires communaux des environs, à mes amis députés fédéraux, Caroline qui est bien sûr là, Luc Gustin qui est déjà au bar et Philippe Goffet qui devrait nous rejoindre prochainement. À mes collègues du Parlement wallon, Magali Doc, qui à mon avis aura une soirée. On se débrouillera bien sans plus. À mon autre ami député wallon, Philippe Baudrimont, je ne le vois plus, je ne le vois plus. On va me servir de micro. Mon ami Philippe Dodrimont, avec qui je partage un petit peu les trajets, et surtout qui m'épaule beaucoup et qui me guide, parce que j'ai un peu l'air d'un genou dans toute cette affaire. Et enfin, la cerise sur le gâteau. C'est dommage que je n'ai pas le micro, mais je voudrais remercier mon ami, et dorénavant garant de la bonne tenue du budget de notre pays, monsieur le ministre Hervé Jamard, qui nous fait le plaisir d'être là.